Après plusieurs semaines d'absence, nous revenons enfin pour vous faire découvrir de nouveaux lieux incroyables que nous avons eu la chance d'explorer durant notre super road trip. Et pour cette reprise, nous vous emmenons découvrir le monde de Lolo Ferrari. Cette vidéo sera différente des autres puisque nous avons décidé de lui rendre hommage et vous verrez que derrière son image de bimbo, sa vie était loin d'être un conte de fées. C'est une fille merveilleuse. Ève Valois naît le 9 février 1963. Issue d'une famille de 4 enfants, elle effectuera pendant son adolescence quelques petits boulots, notamment dans le mannequinat. Sa vie prendra un autre tournant quand elle épousera Eric Ving en 1988 à l'âge de 25 ans, qui deviendra d'ailleurs son manager. Mais Ève est à la recherche de gloire et de célébrité. Et encouragée par son mari, elle entamera un processus hors du commun. En grande admiration pour Amanda Lear, Brigitte Bardot ainsi que Marilyn Monroe, elle subira pas moins de 25 opérations pour leur ressembler. Ève deviendra Lolo Ferrari, la femme à la poitrine la plus volumineuse au monde. Avec un tour de poitrine de 180 cm, Lolo commence à faire parler d'elle. Elle entamera une carrière dans les films érotiques, puis ensuite pornographiques, mais se fera aussi très vite escroquer. Financièrement au plus bas, elle retrouvera espoir suite à sa rencontre avec Bernard Scholl qui lui proposera de signer dans une grande maison de disques où elle sortira son titre Airbag Génération. Malheureusement, le succès ne fut toujours pas au rendez-vous. Elle tentera de lancer une marque de lingerie qui fut aussi un échec total. Réduite au statut de bête de foire, elle utilisera son image pour faire parler d'elle. Elle sera adulée, mais aussi beaucoup méprisée et moquée. Voilà, les Lolo Ferrari. Là, on est dans la salle. Une petite maison. Hein. C'est vraiment une petite maison. Attention à la maison. Faut pas oublier que la maison a quand même été vachement, vachement visitée. Surtout abandonnée depuis 21 ans. Et abandonnée depuis plus. Non, 21 ans. 21 ans. Depuis 21 ans qu'elle a abandonné cette maison. Il y a encore un certain moment. Non, je ne me rappelle plus. Ah, il y a encore des factures. Regardez, il y a même... C'était son mari, c'est la Régvigne. Oui, il y a même une enveloppe qui n'a pas été ouverte. Ouais, t'as plein de courriers pas ouverts. Au nom des Régvigne, il y a plein de courriers qui n'a pas été ouverts. Ils sont peut-être envoyés au moment où il était présumé. Oui. Il était inculpé. Mais... Ouais. Des infos qu'on a pour le moment, et qui vous confirme moi, la maison appartenait à Eric Vigne, et elle n'avait rien en fait. Elle vivait là, mais elle n'avait rien. On voit l'usage du temps et des personnes. Malgré ce qu'on pourrait croire, elle n'était pas très fortunée. Non. En fait, bah, pour quelqu'un qui était très connu. Très connu que par sa poitrine, parce qu'elle s'est vue quand même vachement entourloupée. Oui, mais très connue. Très connue quand même. Son sapin, elle ne le défaisait jamais. Elle le laissait tout le temps là. Ah d'accord. Et avant, il n'était pas là, il était placé juste à côté de la cheminée. D'accord. Bon bah voilà, une info de Tiff. Et oui, Tiffany a fait ses devoirs avant la vidéo, vous voyez. Eh oui. Thank you.
plusieurs d'entre vous n'ont pas connu le Ferrari. On en a seulement entendu parler, c'est tout. Sur des matins. Parce qu'il est de très bonne heure le matin. Parce qu'il y a des voisins. Donc on a fait en sorte de venir de bonne heure. Donc là c'est l'aurore. Le soleil c'est bien. Tiens, ça c'est fameuse chute au Lovenox. J'ai encore tous les médicaments. C'est des seringues en fait, c'est ça. Lovenox, ouais, tu piques. Regarde, tu as encore les seringues qui sont là. C'est bien de l'eau. Elles sont pleines les boîtes là? Non. Non. Ils ont dû être volés. On avait vu une vidéo où il y avait encore les seringues il y a quelques mois. Il y a même encore des préservatifs de l'eau Ferrari. Qui datent de. Oui, j'avais pas vu celle-là. 2000. Non, je vois pas. Je sais pas. Je vois pas. Celle-là. 2002 ou 2004. Voilà. Elle est morte à 37 ans. Donc elle devait avoir un enfant. Elle avait des cheveux du LCV. Tu étais là, regarde, t'as toute la pharmacie aussi. Ah non, je suis pas allé là. Pardon. Bon, là, t'en as un dans les villes. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fioles. En même temps, elle était tellement refaite que je pense qu'indirectement, elle devait quand même souffrir. Regarde, tu te dis, il y a le rasoir de Lolo Ferrari quand même. Ouais. On ne sait pas ce qu'elle devait se raser avec ça, on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Tu fais une étape en outre. Elle était hyper blonde. Ah oui, elle était blonde. Ça c'est pour les cheveux quand tu veux les grader. Encore plein de vêtements. On voit le côté ouais, Barbie, girly de l'eau, faire un du rose partout. Ça serait marrant de retrouver un soutien-gorge avec son célèbre bonnet F. Chacun voit le mot star, comment une personne très connue, très célèbre. Et on croirait qu'elle était riche, mais en fait, qu'on voit la petite maison, elle n'est pas riche. Les affaires de ski, de l'eau, Ferrari. Nice.
Moi, je pense que c'était peut-être plus son frère à lui, ça. Oh non, ça serait du trouble de fil, ça. Regarde, super slip. La culotte à Lolo Ferrari. La culotte à Lolo Ferrari. Elle avait la taille fine, hein. C'était vraiment la poitrine qui était imposante. Mais on reconnaît, on voit de partout, le côté girly, côté rose, les tapis. Ah bah c'était à son image. Hein. Ah oui, oui. On prend la boîte à outils. Caisse à outils. Voilà, c'est le bazar. Même dans le fond, on voit des couvertures roses. Jusqu'aux serviettes qui sont roses quand même. Mmh. Serviettes de table. On y avait son disque, son 33 tours qu'elle avait fait. Je sais pas si on l'a trouvé. Si encore. Peut-être. Peut-être à l'étage. C'est une quand vous dites, c'est une petite maison. On a déjà fait le bord. Hein. Pour vous donner une idée. Hein. Vous voyez encore les bâtiments. Et tout est au nom de Derrickville. Il n'y a rien à son nom. Mais apparemment, elle avait une boîte postale. Elle la recevait par boîte postale, son courrier. Je sais pas si on en trouvera là. Encore une seringue. Mais cette fois-ci, une grosse seringue. Avec les huiles. Ah oui. Elle est là. Ouais. Les huiles à tout. Comment son maquillage. Ça devait être de la poudre. Le maquillage de Lolo Ferrari. Elle ouvre pas, ça vaut mieux pour moi. Il y a des médicaments partout. Apparemment, elle avait un chat. Quand là, c'est Eric Vigne. Les toilettes là-bas sont esquintées, on ira voir après. Ouais, là, c'est les combles. Non, elle avait un chat ou elle avait un chien? Elle avait un chien, normalement. Elle avait un chihuahua, je crois. Un Yorkshire. Un York. Encore son pull. Quand on l'avait vu, le lit était en bon état, enfin bien placé, c'est un sanctuaire. On voit, il y a quand même... Moi, je serais d'avis qu'il faudrait remettre le matelas correctement. Pas le laisser comme ça. Je vais le remettre bien. On va faire pour une fois un truc qu'on fait jamais en urbex, ça c'est bougé. Et là, voilà, on y va. On va pas faire plus parce que vu l'état... J'ai une honte. Chemise de nuit. Je t'ai pas touché. La chemise de nuit, Lolo Ferrari. C'est son côté qui est en ligne. Pourquoi ils ont fait ça? C'est nul. Oui, c'est vrai qu'elle était très fan de tout ce qui était Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot, là. Brigitte Bardot. Dernière aussi. Je sais pas mais comment elle s'appelle star américaine là. Pamela Anderson. Mister Présidente. Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe, voilà, je cherchais le nom. Je confonds on les trucs. Bien le lit parce que. Le peignoir. Ça se fait absolument. Vous voyez, elle aimait le rose, mais elle a même du papier peint rose. Mon t-shirt, voilà quoi, hein. On va tout dire. Tiffany, t'es quel signe? T'es quel signe? Gémeaux. Alors, ça c'est Tiffany, les Gémeaux. Moi, je suis Sagittaire. Donc voilà. Je regarde tout bien parce que... Regarde ta position. C'est où? Bon. Ah ouais. Ah oui. Et moi c'est trop. Je suis supérieur. Et moi c'est là. Non, t'es en dessous. Moi je
celui-là. Ah bah voilà. Voilà. La mienne est plus glamour. Ouais. On voit tout de suite le romantisme de l'homme. D'accord. Erwin. Voilà. Et t'as vu là, il y a monsieur Erwin Ferrari entre le. À côté. Mais ils étaient mariés, hein. C'est dans celui-là qu'il est laissé. Fais tes façons. Son bois. Bois rose, tapis rose. C'est nounours. Je remets en place. Petit feu remis en place. Ça jupe. Là, il y a quoi là-dedans? Je vais te regarder. Je sais pas. Regardez. Petite jupe et les petites ballerines. Une sorte de. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Sa casquette. Regarde la casquette. Elle est où? Oh oui, la casquette. À 8h, dernier délai. Voilà. Sinon, divorce. Vous avez vu? Voilà. Ah oui, Lolo. Lolo Ferrari. Il faut savoir que Lolo Ferrari était très volage. Hein. Oui. Ah, il paraît. Eric Vigne, je sais pas. Mais Lolo Ferrari était connu pour être très volage. Hein, donc, ça devait être des petits mots laissés comme ça. Hein. Une semelle compensée là. Voilà. Le téléphone. Bon, les meubles, on va pas s'amuser à essayer de les ouvrir parce que. Ah, les chaussures des Spice Girls. Ouais, j'ai montré. Les grosses semelles. C'était la mode. T'as de la. C'est de la litière de chat, ça. Ouais, c'est. Donc elle devait avoir un chat. Elle devait peut-être avoir un chat, oui. Je comprends pas pourquoi. Voilà, ça donne sur la roue. Je remets en place parce que ça me sort. Par contre, on est visible des voisins. Les lampes, fais gaffe. C'est belle, c'est bien. T'as vu, j'ai remis le bois sur le. Ouais. Sur ouais, le miroir. Voilà. Après notre passage, Tiffany a remis un peu en place. Parce qu'elle a bu un petit peu le bois, elle l'a mis là. Je réveille. Alors là, je sais pas si, ça a été, si c'était là ou si ça a été rajouté après. Parce qu'il y a. Bien sûr. Avec ça, c'est noté. Il y a du monde. On tourne en brouille, je savais pas ce que c'était. Bon, la salle de bain, elle est toute retournée. Petite salle de bain. La maison est esquintée. Hein.
20 ans. Lolo Ferrari a finalement toujours cherché un certain réconfort dans ses transformations. Mais cela n'a pas été sans souffrance. Après toutes ses interventions, elle devra supporter une douleur constante due à ses 6 kg de poitrine et être sous traitement médicamenteux très lourd ainsi que sous antidépresseurs dû à une dépression continuelle. Le matin du 5 mars 2000, Lolo Ferrari sera retrouvée décédée dans leur propre maison par son mari suite à une overdose médicamenteuse. Elle n'avait que 37 ans. Eric Ving sera très vite arrêté. Sa version était complètement incohérente, notamment à cause du fait que le corps de sa femme portait des traces de tentatives d'étouffement et de strangulation. Il sera acquitté en 2007, demandera des dommages et intérêts et disparaîtra. Lolo Ferrari avait prononcé très peu de temps avant son décès le souhait de vouloir être incinéré avec son ours en peluche préféré. Malheureusement, aucun de ses souhaits ne sera réalisé. Elle sera enterrée avec pour seule sépulture une plaque blanche sans identité ainsi que des fleurs artificielles. Et voilà les amis, visite terminée. Et pour terminer cette vidéo, on a réussi à trouver la tombe de Lolo Ferrari. La fameuse tombe de Lolo Ferrari. Compliqué, hein, compliqué. Très très compliqué, beaucoup de recherches. Et surtout qu'il n'y a pas de nom sur sa tombe. Et les infos que vous aurez dû, si vous la cherchez, vous aurez dû la trouver. Les infos sur internet sont fausses. Exactement. En tout cas, nous on espère que cette vidéo vous aura plu autant que ce que nous, ça nous a plu. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.